Ok, salut. Je la refais parce que qu'on va pas faire le coup de des fois des trucs il n'y a pas de son à chaque fois quand même. Donc bienvenue dans ce dans ce so News, dans ce News spécial. Voilà, on va être un peu speed. <coughs> on va présenter euh, ce qui était prévu hier, c'est-à-dire le conseil aux débutants et quelques petites informations sur les combats. On va parler également des événements euh, pilones parce qu'il y a des choses à dire dessus et on va et on va peut-être parler aussi de ce qui va se passer la semaine prochaine. Euh, voilà, on va parler un peu du futur. Alors, euh, ça va être rapide, il n'y aura pas de questions-réponses, on est sur un live euh, purement info, euh, voilà. Je redis, euh, je vais redire un petit peu les choses que j'avais dit hier, mais euh, voilà, on va, on va les, les développer un peu plus. Alors donc, du coup, euh, donc, concernant, euh, le, concernant donc, euh, cette fameuse initiation en débutant, alors je vais me, me faire un petit, euh, choper un petit peu l'écran qui est sur le côté là, hop, voilà. Donc je chope... Euh, non c'est pas ça que je veux choper, on va choper ça plus tard. Euh, je vais choper le, le je veux choper le l'écran qu'il y a ici. On va se faire un screen region. Hop. Ok. Donc, donc on est parti. Donc voilà. Donc euh, le les, les, les conseil aux débutants. Ok, ça va être. Euh, on va. On va. Je sais pas s'il y a des, des nouveaux joueurs qui nous regardent euh, là, mais on va voir un petit peu rapidement deux petites. trois petites choses à savoir. Alors déjà, euh, déjà il faut savoir que premièrement, je vais faire ça comme ça. Hop, freestyle. Il faut savoir euh, donc le, la chose importante, très importante, c'est euh, la base. Hein, c'est la base. On est sur un jeu 4x, euh, c'est-à-dire il faut absolument développer ses mines. Voilà, ça c'est très important. Donc euh, là j'ai écrit l'objectif level 10. Bon, c'est un petit peu bourrin, mais euh, l'idée parce qu'on voit beaucoup de bases qui sont qui se bloquent où on va faire des mines level 3, 4, 5 selon ce que conseille les missions d'initiation. Et puis on veut on veut augmenter ces niveaux, tous ces bâtiments également à 3, 4, 5. C'est une relativement mauvaise idée dans la mesure où, et on va le voir juste après, il y a également la consommation. Euh, C'est-à-dire qu'il y a les, 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 les bâtiments, tout consomme du neutronium. Donc rien que ça, c'est une mauvaise idée pour, ces, pour cette, pour cette chose-là. Mais également, également euh, c'est une mauvaise idée tout court parce que les levels des bâtiments, ils coûtent de plus en plus cher. Et euh, bien sûr, il vous, il vous faut de plus en plus de ressources. Et du coup, vous allez faire de moins en moins d'actions par jour si vous n'avez pas des mines levelées. Donc le conseil, c'est vraiment de focaliser les premiers jours de jeu. C'est comme ça, hein, c'est un développement euh, un petit peu lent au début pour la production. Vraiment, vous boostez les mines pour la production. Ça ne vous empêche pas de faire quelques petites missions d'initiation, et même au contraire, c'est très conseillé. Comme ça, vous chopez des bonnes récompenses, etc. Mais vraiment, euh, focalisez-vous sur les mines avant de commencer à construire des grandes flottes ou alors à construire, euh, ou alors à leveler vos bâtiments, etc. Donc ça, c'est le premier, premier conseil qu'on peut donner. C'est quand même important. Ensuite, euh, ensuite qu'est-ce qu'on va avoir comme... Euh, comme conseil, on va avoir comme conseil de euh, les Hoots Noob. Donc les Hoots Noob, c'est pour ceux qui, qui ont déjà découvert des Hoots noobs. Les Hoots c'est des bases de Hoots qui sont Noob, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très développées. Et le truc, c'est que pour qu'elles se développent, justement, ces bases, il faut absolument finir les missions d'initiation. Sinon, les Hoots, ils ne vous considèrent pas comme des adversaires à leur hauteur, donc euh, vous n'êtes pas, pas initiés, euh, ils n'en ont rien à faire, ils ne vont pas se développer. Donc vous avez trois quêtes euh, qui vont débloquer une quatrième quête. Vous avez offensive militaire et pillage, défense et technologie, exploration et espionnage. Une fois que vous avez fait ces trois missions d'initiation, des missions d'initiation qui arrivent après le tutoriel, une fois que vous avez fait ces trois missions d'initiation, vous avez accès à la fameuse quête technique offensive avancée, et c'est après, après cette quête que les Hoots uniquement une fois que cette quête sera finie, que les vont prendre leur, euh, leur indépendance et vont s'auto-développer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont vider leurs mines, c'est-à-dire qu'ils vont produire des ressources, c'est-à-dire qu'ils vont produire des unités aussi pour se défendre, et donc vous allez pouvoir euh, bah, un petit peu farmer, un petit peu voilà, le, voir euh, les, les piller, euh, jouer avec eux, entre guillemets. Donc c'est très important de faire ces missions d'initiation, et c'est également très important de les faire, parce qu'elles euh, ont des énormes récompenses qui vous permettent d'accélérer votre développement. Voilà, donc ça, un level de mine... Euh, accélération de euh, réalisation tuto, très des missions tuto, des missions en initiation, c'est très important. Ensuite, la consommation de neutronium. Là, c'est vraiment aussi une notion fondamentale dans, dans Space Origin. Euh, le neutronium, c'est la base de tout, c'est-à-dire que euh, tout ce que vous possédez dans, dans, dans votre base consomme du neutronium. Quand vous avez un bâtiment, il consomme du neutronium. Quand vous avez un... à part les mines. Quand vous avez un, un, une unité, elle consomme du neutronium. Et plus vous les l'unité ou plus vous levelez votre bâtiment, plus il va consommer du neutronium. Donc il faut vraiment faire très attention de toujours avoir une marge très large. Parce que bien sûr, vous utilisez aussi du neutronium pour la production. Donc là, on va, on va le voir très concrètement. On va le voir très concrètement. Euh, voilà, je vais voir ça ici. Si... Euh, là, je suis donc dans, dans ma base. J'ai ici euh, ma mine de notre d'accord Et donc là, vous voyez, euh, on le voit vraiment. Hein, là, je suis à 1136 de prod, euh, effective, sur mon bilan. Et j'ai donc des consommations de bâtiments de moins 129, des consommations d'unités de moins 33. Et donc, euh, donc là, ça veut dire que c'est très bon, il n'y a pas de souci. Et par exemple, si j'avais qu'une mine level 5, euh, avec une production, euh, mettons, de 500, bah forcément là, ça serait déjà moins confortable. Hein. Euh, le rapport de consommation qui est ici est très important parce qu'il vous dit, euh, il vous donne ce que consomme quoi. Donc là par exemple on voit qu'il y a des alphas, j'ai 50 alphas qui consomment, euh, consomment 10,50 unités par heure. Et donc il y a le total de consommation de mes unités et idem j'ai euh, sur les bâtiments le total de consommation par heure, donc 129. Et donc bien entendu, il faut tout le temps avoir à l'œil cette petite conso, et c'est également ici il y a également le, des petites infos quand on passe la souris qui donne le détail rapidement. Donc vous voyez que je suis à moins de 300. De, de consommation, donc là ça inclut les taxes, etc. Et donc à la fin on a le bilan. Donc si euh, votre consommation elle est négative, c'est-à-dire que si vous êtes en déficit de neutronium, à ce moment-là ça va prendre sur le stock, et une fois que le stock est vide ça va vous détruire des unités, des bâtiments, voire même des flottes en mouvement, parce que forcément euh, il faudra bien arriver à rétablir la consommation normale. Donc faites très attention à ça parce que bah, ça peut faire très mal quoi. Et d'autant que même avant d'être en surconsommation, de toute façon, si vous avez une production proche de zéro, vous allez être complètement bloqué. Parce que vous allez euh, plus pouvoir acheter euh, euh, d'amélioration, etc. Donc il va falloir utiliser le marché planétaire, etc. Donc ça, c'est euh, une notion vraiment importante. Donc ça, voilà les, les conseils qu'on peut donner sur le, sur le début de jeu. C'est d'une part euh, euh, les, euh, les mines. On pense tout le temps à lever les mines, c'est vraiment très important, on n'essaye pas de, de lever les globalement ces bâtiments. D'autre part, on, euh, on pense à finir les missions d'initiation pour pouvoir déclencher l'IA des Hoots, l'intelligence artificielle des Hoots, et pouvoir jouer avec eux. Et troisièmement, la, la consommation de notre ion, on fait attention. Ensuite, concernant les, concernant, euh, les, dé, les, les débutants, donc que j'entends par débutants, les joueurs qui sont arrivés dans le jeu il y a quelques jours, euh, 3-4 jours, 2-3 jours... Il euh, y aura probablement une pluie de pépites qui va être organisée dimanche soir euh, uniquement pour les débutants, c'est-à-dire que les autres joueurs plus forts ne les verront pas, c'est-à-dire que ce sera réservé vraiment aux joueurs euh, bas level. Et donc, si vous si vous ne savez pas ce que c'est une pluie de pépites, hein, c'est des cristaux de ressources qui apparaissent directement sur les maps et, euh, et vous allez pouvoir les choper directement avec vos drones. Et donc, ça rapporte pas mal en général, donc c'est plutôt bien. Alors, euh, comme il euh, y a eu des remarques sur les pluies de pépites, sur le fait que c'était un événement qui fav favorisait le rush nocturne avec des gens qui faisaient nuit blanche, etc., on va les modifier un peu leur fonctionnement. Ça va être des pluies qui vont durer 2-3 heures. Il y aura un pic de 2-3 heures où il y aura plein de pépites. Ça va être euh, voilà, en mode éclair. Et au bout de 2-3 heures, les pépites disparaissent. Donc, comme ça, au moins, c'est du rush. Mais du rush pur, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'heure. On rush pendant 3 heures à fond. On a, on a masse de bonus. On gagne également. Il y a un événement. Donc, y a, y a, on, là, par exemple, on peut voir l'ancien événement, événement qui s'est passé sur les pépites. Euh, là sur Fahrenheit par exemple. Donc il y, y a vraiment un classement où euh, on peut voir les joueurs qui ont le plus ramassé euh, de pépites. Là il y a eu... Il euh, y a Nayo qui, euh, qui a gagné ce classement avec 422 points. Donc on gagne ensuite une récompense. Mais donc ça là ça se passait sur deux jours. Là maintenant les prochaines petites pépites probablement elles vont être en mode rush. C'est-à-dire qu'elles vont durer euh, quelques heures. Voilà. donc euh, peut-être que dans le week-end vous serez prévenus avant normalement dès, euh, dès samedi soir. Dans le week-end, il devrait y avoir, euh, il devrait y avoir euh, plus de vite. Pour les débutants uniquement. Alors on va passer à la suite du live. Alors on va, on va, voir, on va faire un tout petit point sur les combats. Alors, on va pas euh, faire des simulations de combats, etc. On va juste faire un petit point sur les caractéristiques des vaisseaux. Parce qu'il y a eu quelques questions récurrentes là-dessus. Donc on va faire un petit, un petit point là-dessus. Sur, euh, sur, euh, sur à quoi correspondent les caractéristiques des vaisseaux, à quoi elles servent et comment on mesure la puissance d'une unité ou d'une flotte entière. Et, euh, et puis après, on fera un petit tour, on reparlera des pylônes rapidement et on fera un petit tour du classement. Euh, et puis voilà, et puis du coup, on enchaînera après euh, sur le prochain live, sur les, les infos. Euh, on enchaînera au prochain live pour les infos. Je m'embrouille. Alors, donc, euh, du coup, on va voir un petit peu ces histoires de, de, de flotte militaire. Alors, donc, là, je vais ouvrir ma formation défensive pour pouvoir accéder à mes unités et je vais un petit peu voir, je vais ouvrir une unité et je vais voir un petit peu euh, les infos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est euh, qu'il y a plusieurs. Euh, il, y a plusieurs euh, il y a des caractéristiques communes des unités, il y a des caractéristiques spécifiques. Il y a une notion qui est très importante. Alors là, par contre, il y a un petit problème d'affichage, ça sera réglé. Euh, ça va être réglé juste après, puisqu'on est en train justement de, de mettre à jour le serveur pour, pour cette raison-là. Mais vous voyez ici ce petit symbole. Alors c'est très important, ça ça signifie la puissance générale de l'unité. On va voir un petit peu à quoi correspondent les caractéristiques de, de l'unité, mais ce symbole-là ça signifie la puissance générale. Et vous le retrouvez également quand vous faites une, une flotte, une, une, une opération. Par exemple, si je vais dans, dans, mon, dans une nouvelle opération ici, ok, je mets des vaisseaux, euh, je mets des vaisseaux dans mon opération et je vois ici euh, hop, je vois que ce chiffre monte. D'accord Je vois que ce chiffre monte parce que euh, ça totalise, ça fait la somme en fait de la puissance de mes unités. Et donc ce, ce petit symbole là, il signifie l'unité il signifie, euh, de puissance euh, générale de, de, de l'unité. Donc là, ça veut dire que j'ai une unité qui représente 1 de puissance. Alors vous allez me dire, bah, c'est n'importe quoi, parce que le micron, il a la même unité de puissance euh, que l'alpha. Que Alors effectivement, c'est lié au fait que il euh, n'y a pas les arrondis qui s'affichent sur cette fenêtre, mais on va les afficher très prochainement, euh, parce qu'en fait, en réalité, un micron level 2 ou level 1, ça a fait 0,5. Alors, micro level 1, c'est 0,5 de puissance. Vous voyez qu'on est loin des 1, en fait. C'est un arrondi supérieur, mais en fait, on est très loin des 1. Donc, ça, ça va être mis à jour. Il y a également quelque chose qui n'est pas mis à jour, c'est la consommation. Vous voyez, là, on dirait que ça consomme 0. En fait, ça consomme pas 0, ça consomme 0,1. Et du coup, c'est pour ça que là encore, il y a un arrondi qui est fait à l'inférieur, et du coup, on va enlever ces arrondis pour ces deux caractéristiques. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, cette unité c'est vraiment le, le référence, si vous voulez comparer euh, les, vos flottes, hein, c'est simple, vous prenez cette unité là, et c'est d'ailleurs ces unités là qui sont utilisées dans le compte premium, là je suis premium, et donc euh, je peux ouvrir l'interface premium militaire, et vous voyez que euh, sur mes interfaces premium militaires, euh, alors là j'ai accès au capital, mais euh, là on a directement les, la puissance militaire euh, de la capitale. Bon, vous avez déjà dû la voir, parce que j'imagine que vu, la, les, vu les espionnages qui ont été faits, ça, ça a dû le faire. Et donc euh, ici, euh, j'ai donc une, une des défenses qui représentent euh, un équivalent en, en puissance militaire de 9828. Ça veut dire que, bah, par exemple, là, pour pouvoir à, le résoudre, pour pouvoir battre cette armée, il va falloir que je mette euh, bah, combien de microns Vu qu'un qu micron, le 1 c'est 0,5 de puissance, je vais devoir en mettre 20 000. Euh, bien sûr, évidemment, l'unité, quand elle évolue, euh, son unité de puissance évolue également avec, etc. Alors ensuite on a le, on a, on a ensuite. Alors je vais revenir un petit peu sur les caractéristiques de combat. Je, simplement je vais préciser les deux vitesses. On a deux vitesses donc la vitesse de déplacement sur les maps et la vitesse de déplacement en combat. Alors c'est quoi ces unités Alors là il y a écrit C/H. C'est quoi C'est cases par heure. Donc ça veut dire que vous mettez pour faire 19 cases vous mettez une heure. D'accord C'est une vitesse euh, en cases heure. Donc euh, si vous avez une base qui a 19 cases vous allez mettre une heure pour la rejoindre. Donc, le drone, par exemple, level 1, lui, il va à 150 cases il va beaucoup plus vite. Euh, ensuite, la vitesse de, alors voilà, donc ensuite, la vitesse de combat, elle, n'a rien à voir avec la vitesse de déplacement sur la map, mais c'est des cases par tour. Donc, euh, vous, avez, vous avez dû voir dans les animations de combat que les, que les, les vaisseaux se déplaçaient, en fait, euh, à chaque tour d'un certain nombre de cases. Et donc, lui, le Micron, il est assez rapide, il se déplace de 3 cases à chaque tour. Donc, pour rusher, pour piller, c'est pas mal. Alors la force de frappe, donc la force de frappe c'est là également le nombre de points infligés par tour, en sachant qu'il y a une petite subtilité sur le tour, c'est que, que tous les points euh, un, un, vaisseau, un vaisseau ne peut pas faire la totalité de sa force de frappe pendant un tour. C'est un peu technique, mais il ne peut en faire qu'un sixième. Voilà, donc ça veut dire qu'à chaque tour, euh, il, va faire, il va réussir au maximum à faire un sixième euh, de ses 33 points. Donc ça fait 33 divisé par 6. Donc ça c'est les points de, de, de dégâts qu'il va infliger directement sur les unités sur les unités ennemies. Et ensuite le bouclier, donc là le bouclier c'est assez... assez facile à comprendre, c'est le pourcentage de points qui absorbent que, que l'unité absorbe sur les autres unités. Voilà. Et ensuite, ensuite on a deux capacités spéciales, donc soit si je suis pilleur, ma capacité de de, 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 de pilleur, donc là je peux récupérer 11 unités de ressources dans ma soute. Donc plus la unité va augmenter, plus, euh, ben, plus euh, cette capacité va augmenter. Et si je suis bombardier, euh, par exemple là... Le bêta, il lui il va pouvoir bombarder 36 points de dégâts euh, à chaque, euh, à chaque euh, run. Hein. C'est valable pour une, c'est pas par tour, hein. c'est là pour un seul combat. Après, une fois qu'il a vidé sa soute, c'est fini. Voilà, alors sachant qu'il y a des unités qui ne font, euh, qui ne pillent pas et qui ne bombardent pas, hein, qui font ni l'un ni l'autre, voilà. enfin, vous, vous pourrez découvrir ça. Alors autre point important, c'est la portée. Là, il n'y a pas de case de portée indiquée parce que le micron n'a pas de portée, c'est-à-dire qu'il il faut qu'il soit encore à corps pour, euh, pour infliger des dégâts. Mais par exemple, le bêta, lui, il a une portée, donc il peut atteindre une cible en, tout en étant à une case de distance. Et donc la portée, elle est très importante dans la mesure où... Euh, où bah ça vous permet de, de vous mettre à couvert. Euh, par exemple le bêta, ben bah, il, aura, il aura au moins un tour d'avance sur le Micron et puis vous pouvez aussi euh, peut-être mettre des unités pour bloquer, etc. Enfin il y a tout un tas de, de techniques. On y reviendra après. Peut-être qu'il y aura des lives qui seront faits avec Live Origin autour de ça. Il y, a, des, il y a déjà eu des lives d'ailleurs hein, sur les tactiques, euh, sur les tactiques militaires qui ont été faits. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, la portée. Euh la portée, euh, la portée et la vitesse, c'est deux choses euh, importantes euh, dans la façon dont le combat va se dérouler, parce que bah, le vaisseau va rusher ou alors le vaisseau va pouvoir tirer à distance. Donc si vous mettez par exemple des, des vaisseaux qui portent derrière vos pilleurs, c'est un bon plan, parce que du coup les vaisseaux vont piller pendant qu'ils seront couverts par les vaisseaux qui portent, etc. Ok, alors il euh, bah, y a un autre petit point hein, qu'il faut dire sur, ce, sur ces caractéristiques euh, pour bien comprendre. C'est là vous avez vu, il y a des ça, assez im implicites, hein, mais il y a des forces et faiblesses. C'est-à-dire que chaque unité elle a des antagonismes avec d'autres et donc elle a des aptitudes à, à mieux combattre certaines autres unités. Et donc quand il y a une flèche verte, ça veut dire qu'on est, qu est plus fort que cet autre type d'unité, et quand on a des flèches rouges, ça veut dire qu'on est moins fort. Et donc tout ça, ça fait un, un arbre un peu complexe, ce qui fait que chaque unité n'est jamais vraiment obsolète. Hein, on peut se dire bah, le Micron, finalement, ça sert à rien de l'upgrader parce que... parce que bof, c'est la première, la première unité du jeu, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que le Micron, ça va être notamment l'unité la, la plus rapide du jeu, et il va avoir des antagonismes intéressants euh, avec certaines unités. Et euh, c'est ça, ça en fait une unité vraiment euh, de, pille à, de pilleur éclair et voilà c'est assez intéressant donc euh, donc voilà euh, ensuite il euh, y a des notions un petit peu complexes enfin complexes pas vraiment complexes mais un, un petit peu tactiques, euh, notamment qui sont cette, ces, ces fameuses ces fameuses options là vous voyez tenir la formation là ça dit vous pouvez fixer le nombre de tours pendant lequel votre armée restera en formation et donc, ça, euh, on y reviendra peut-être dans un autre Saw so News. Quand on fera des combats, euh, quand on fera une, des, des stratégies militaires un petit peu, on verra. Euh, il faut que, vous découvriez un petit, que tout le monde découvre un petit peu le jeu. Mais on reviendra sur certaines tactiques qui vont être utilisées, qui vont être utiles euh, dans le jeu. Et euh, cette notion, elle est un peu importante à, à comprendre. En fait, grosso modo, c'est euh, pendant combien de tours votre formation va rester groupée voilà, vous pouvez décider, là elle va rester 4 tours, donc elle va rester relativement groupée, mais vous pouvez décider volontairement, si vous avez des bonnes raisons, de séparer la formation. Et un dernier petit conseil qu'on peut donner également, euh, c'est euh, de toujours essayer de répartir un petit peu ses flottes euh, à travers différents, différents slots. Parce qu'en fait, il euh, y a un petit bonus qui est donné euh, par rapport au, au groupe de vaisseaux. En fait, le nombre de groupes, le, le, le Si vous, si vous séparez votre, vos flottes en deux, vous allez avoir un petit bonus euh, d'attaque dû au fait que vous, vous attaquez en deux. En deux groupes, en fait. Il y, y, y a ça qui est géré un petit peu dans le système de combat. Voilà un petit peu pour ce, pour ce point militaire. Euh, donc c'est assez succinct, mais c'est au moins pour présenter euh, la base, hein, c'est-à-dire euh, de quoi on parle. Et bien sûr, là il y a les formations, là j'ai que à deux formations. Donc euh, les formations, bah, avec ce que je viens de dire, hein, avec ce que je viens de dire, vous, vous imaginez bien que si je mets mon alpha, euh, mon bêta, pardon, qui porte, euh, qui porte ici, euh, à 1 ici, c'est-à-dire en front, je mets mon, mon bêta qui, qui a une case de portée, c'est-à-dire qui pourra toucher une, une unité qui est ici. Euh, bah vous imaginez bien qu'on n'aura pas la même, euh, la même chose si je le mets là. Et donc par exemple là typiquement une bonne formation, ça serait éventuellement de mettre euh, des groupes de bêta, euh, des groupes de bêta, euh, ici, avec euh, un, avec un une unité qui n'a pas de portée afin de le couvrir. Mais attention également à la vitesse. Attention à la vitesse parce que si vous, si vous laissez votre formation groupée, euh, la formation va s'aligner sur le vaisseau qui a la plus petite vitesse. Pour faire du rush. Il faut bien vérifier de ne pas mettre un vaisseau trop long. Là par exemple le bêta, euh, je sais pas combien la il a de vitesse. Je crois qu'il a 2. Si je me trompe pas. Il a 2, voilà. Donc bon, ça, ça ralentit quand même déjà le, 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 combat, le, le pillage. Ok, alors donc... Euh, bah, on va faire un petit tour rapidement du classement. Alors on va faire un petit tour du classement général quand même. Ça fait un petit moment qu'on n'y a pas fait le tour. Alors euh, toujours euh, le... le. Le rendez-vous, un petit peu, pour découvrir le classement, et puis pour voir un peu les stats, enfin, les stats pour l'instant ne font pas encore fonctionnel, mais en tout cas, les quelques chiffres, c'est la page univers, hein. donc bingbang.specialorigine.fr directement. On peut retrouver des stats un peu marrantes, hein, comme euh, le nombre d'attaques gagnées, 27 000 attaques gagnées, 372 000 vaisseaux construits, ça paraît énorme, hein, c'est fou. 480 000 vaisseaux détruits. Alors, vous allez dire, c'est bizarre, il y a plus de vaisseaux détruits que de vaisseaux construits. C'est parce qu'en fait, les vaisseaux, les vaisseaux des Hoots ne comptent pas dans les vaisseaux détruits, c'est pour ça que tout ce qu'on détruit euh, tous les vaisseaux ou ce qu'on détruit euh, ça compte pas dans les ils ne compte pas dans les vaisseaux construits. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on détruit beaucoup plus que ce qu'on construit. Euh, voilà, 5600 bonus trouvés, 5600 bonus trouvés, c'est un truc de fou. Alors donc au niveau du classement, alors euh, ouais, au niveau du classement en général, donc euh, donc ben voilà, il y a encore des, des y a les maîtres de l'univers, donc Naoyo qu'on avait déjà dans le pit pépite. Woolies... Zarin et Hiro. Euh, donc c'est le top 4 de l'univers. Et puis après, il ben, y a, a, a par planète aussi. C'est intéressant de, de regarder hein. euh, le, le top 1. Donc on a Hiro qui, qui est sur Taurus. On a normalement Woolies qui est sur, euh, sur Néo. Sur Meta, on a personne parce qu'elle n'est pas ouverte. Sur Faran, on a, on a Naio. Logiquement, on le retrouve, on le retrouve logiquement les leaders planétaires hein, qui sont dans le classement en général sur Alba Sur Alba, on a. Juilusi, Bien sûr, c'est galère à lire, c'est loin en plus. On a Riper qui est sur euh, qui est sur euh, Titan et sur Alba, sur Alba, sur Alba. Sur Alba, on a Keo. Voilà, et très important aussi de consulter un petit peu le mur. Alors, outre le fait qu'on peut découvrir un petit peu des joueurs en se baladant parce que du coup, euh, on consulte le mur tranquille et on se dit bah tiens, lui il a un avatar sympa euh, euh, voilà lui euh, il est bien boosté dans tel ou tel domaine ah ben tiens lui il est sur la planète etc donc ça c'est sympa de consulter le mur mais il y a également un truc qui est sympa c'est de consulter le mur des alliances pour repérer un petit peu les alliances, euh, les alliances qui, qui nous font kiffer quoi Alors, par exemple moi bah, ça j'aime bien j'aime bien son, son truc un peu, un peu fou euh, voilà et donc euh, on peut consulter le, le fiche le mur de l'alliance là par exemple je vais sur la, confédér la confédération minière d'alba et on peut voir un peu bah, on peut voir euh, tout hein. on, voit, on voit sa base on voit le dès la description et puis on voit, euh, on voit, les stats de l'alliance générale, quoi. Où est-ce qu'elle est classée, comment elle est classée, etc. On peut avoir un accès rapidement à ses membres et, euh, et on voit le, le rang de, de ses membres respectifs. Et puis les récompenses, ça n'a en pas encore. Voilà. Donc ça c'est pas mal pour euh, si vous chasse, si savez pas vraiment quelle alliance rejoindre encore, etc. Si vous cherchez des alliances à, à proposer, c'est pratique de consulter ça. On peut trier par planète en plus. Hein. Donc euh, là vous, hop, vous faites ça. Hop, vous avez toutes les, toutes les alliances de Néo, vous avez toutes les alliances de Xerès. évidemment, les Xerès il n'y a que les Hoots. Et voilà. Donc ça c'est cool. Euh, voilà. Est-ce que j'avais encore autre euh, chose à dire bah, ce que j'avais à dire c'était faire un petit tour, reparler un petit peu de l'event des pylônes. Donc on va on va revenir un petit peu sur, euh, sur le. Ah ouais, je sais pas si vous voyez en fait complètement. Si ça va, ça marche. On va revenir un petit peu euh, sur cet event euh, sur, ces, sur ces pylônes. Alors. On va voir un peu qui domine euh, le classement. Alors, on a, il y a deux, deux choses hein, qui ont été remontées sur les pylônes. Vous dites, ouais, bon, les pylônes c'est bien, mais euh, au final, euh, on place des pylônes, on, on tue des pylônes, Enfin on casse du pylône ou alors on n'en casse pas et il se passe quoi. Alors, on a ajouté la... On a ajouté 24 heures sur l'événement des pylônes, parce que les pylônes, ils vont réagir à un moment donné, comme je comme on vous l'a dit. Euh, le truc c'est que... Il faut pas qu'il y en ait trop parce que s'il y en a trop, peut-être qu'ils vont réagir un peu trop beaucoup, un, un peu beaucoup. Alors euh, on, a, on a allongé un petit peu de 24 heures pour laisser un petit temps. Alors il y a deux remarques qui ont été faites. Il y a ouais, euh, les pilotes sont trop ski, sont trop trop levelés, trop skillés sur les sur les level 5. Effectivement, il faut utiliser des attaques groupées, c'est mieux pour les level 5 ou alors être très fort. Et donc on va sûrement baisser, euh, on va réfléchir à baisser la durée des attaques groupées maximales sur les bases PNJ. On va voir comment on peut faire ça. On va essayer, euh, peut-être pas forcément pour cet event, hein, mais on va au moins essayer de réfléchir là-dessus. Peut-être que ça sera fait euh, dans le week-end ou, ou d'ici la semaine prochaine. Donc ça ne sera pas forcément pour cet event-là. Mais on va essayer effectivement pour tout ce qui est event du jeu, si on avait mis un, si on avait mis un délai élevé sur les attaques groupées, c'était pour, euh, évidemment, pas qu'on puisse balancer euh, en mode euh, rush euh, une attaque groupée sur quelqu'un sans qu'il puisse se défendre et sans qu'il puisse chercher des alliés. Mais du coup, là, on va le, on va le faire euh, peut-être pour euh, tout, ce est, euh, bah, tout ce qui est PNJ, etc. Enfin, voilà, on va, on va voir. Donc, euh, donc euh, ça devrait se faire. Euh, on va peut-être limiter l'attaque. Enfin, on va peut-être donner une attaque groupée disponible de 6 heures. Ça semble pas mal. Voilà, 6 heures, 12 heures euh, pour s'organiser. 6 heures, c'est bien. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les pylônes on, on a décidé également. Il euh, y a une idée qui a été soumise dans le staff. Euh, ça va être que le, le, la personne. Parmi les, parmi les six planètes, il va y avoir six gagnants de l'event. Et bien parmi les six gagnants, s'il y en a qui souhaitent, ils seront invités à SoNews directement pour parler un petit peu de, ce qui, de comment ils ont hein, vu leur tactique, etc. Et peut-être qu'ils auront un dialogue en live avec les Hoots ou quelque chose d'assez incroyable. Donc euh, voilà, Donc, les six premiers. Hein, C'est-à-dire euh, que les, les six premiers sur chaque planète auront une invitation potentielle à SoNews, le news de la semaine prochaine. En sachant qu'en plus la semaine prochaine il va y avoir un event énorme qui va commencer, qui va être le jeu concours, on va en reparler rapidement. Donc, euh, donc voilà, donc euh, n'hésitez pas, euh, ben, pas à rusher, il euh, y aura ce, cette petite chose-là. Et la deuxième chose, c'est que donc on a dit l'event a été allongé de 24h, donc il se termine le 11 à 21h30. Et euh, on, va, on va faire un truc, c'est que... Euh, il va se passer des choses avec ces pylônes euh, dans le week-end. Dans le week-end, les pylônes, il est très probable euh, qu'ils ne soient pas aussi inertes qu'ils le sont maintenant. Il va y avoir plusieurs choses d'ailleurs qui vont se passer, qui ne vont pas être inertes, mais ça va plus être la semaine prochaine. Mais euh, voilà, ça risque de bouger fort, et ça risque, euh, voilà, risque d'être un peu sport pour, euh, pour certaines alliances. Enfin voilà, j'en en ai déjà trop dit. Euh, au niveau des, des, des pylônes, ils, ils, auront, ils vont avoir un impact, et ils vont avoir un impact notamment peut-être euh, sur la production planétaire, euh, ou, sur des, ou, sur, euh, ou sur des quantités de ressources disponibles. À divers endroits et donc ils auront un impact direct alors on va compter les pylônes et on va voir un petit peu par rapport à quelle est la meilleure planète hein on va faire un classement des planètes hein on va voir quelle est la meilleure planète qui a, euh, qui a réussi à, sur à survivre par rapport aux pylônes qu'ils avaient au début et aux pylônes qu'ils ont maintenant et euh, en fonction de ça il va se passer euh, bah, il va se passer des choses euh, donc, euh, donc voilà, et, euh, et le dernier point, le dernier point que j'avais à dire, bah bien sûr, c'est de parler de la semaine prochaine. Euh, mardi soir, euh, l'event euh, concours PS4 euh, avec Matos, etc. va commencer. Donc il euh, donc y aura des infos qui seront distillées, enfin qui seront données dès lundi, et euh, on connaîtra les mécaniques précises de l'événement euh, lundi, probablement. Et donc ça va être un event assez fou et on va faire en sorte, et ça c'est vraiment important s'il y a des gens qui débutent le jeu qui nous, qui nous écoutent, on va faire en sorte que euh, les gens qui commencent le jeu aient euh, des points d'avance en fait. Ils auront des points d'avance qui seront censés euh, réguler leur retard. Parce qu'évidemment, comme certains vont être développés, etc., et auront plus de capacité de, de réussir l'événement. Pour les gens qui débarquent, et on, va, on, va, on, va leur mettre, on va mettre, en place un système qui permettra de faire en fonction de leur niveau de jeu en fait, hein, et de surtout de leur arrivée dans le jeu, de leur donner des points d'avance euh, pour qu'ils ne soient pas complètement euh, pris au dépourvu. Et donc je rappelle hein, que pour ce concours, on a donc la PS4 Destiny, pack Destiny blanche qui nous attend ici. On a, ça c'est le premier lot, on a un deuxième lot, euh, une souris Rode 4, non oui c'est ça, une souris Rode 4 et un clavier Rode 4. Voilà, très important, hein, des souris avec des poids pour jouer à Space Origin, vous imaginez à quel point il faut skiller au clavier, tac tac tac. Cas c'est plutôt du matos, euh, du matos hardcore, hein, hardcore gaming. Et on, a, et on a un petit clavier, un petit, un petit casque euh, 7.1 chroma euh, Razer. Euh, et on a également, on a quoi On a des Blu-ray, on a Interstellar, on a, euh, y a euh, Gravity je crois, enfin y a quelques Blu-ray SF. Et puis après il y a euh, donc ça c'est les 4 quatre, quatre lots principaux et après il y a 8 euh, lots qui sont des goodies donc t shirts posters, enfin voilà plein de plein de trucs euh, de goodies euh, du jeu. Voilà voilà, euh, donc bah voilà, So News c'est fini. Euh, C'était un point complet sur euh, Surtout débutant, jeu, système de combat, etc. Euh, on va faire je redis, très important, j'ai déjà dit hier. S'il y a des, des personnes qui ont des projets, RP qui ont des projets euh, d'alliance euh, incroyables, qui ont des gameplays euh, bizarres, ou même des propositions générales, parce que tout est bon à prendre, euh, qui, sont, qui, qui sont chouettes et qui ont envie de, de parler, euh, vous pouvez euh, soumettre une candidature auprès de Eril et auprès de Cashwir, qui sont les animateurs officiels de Space Origin, et vous allez pouvoir euh, proposer le, votre projet et ils viendront vers vous. Euh, bah, si c'est, si, ils reviendront vers moi, enfin, voilà, et, et, et on verra un petit peu pour pouvoir faire un live à SoNews. Pour pouvoir vous interroger directement dans SoNews, présenter votre projet, etc. Donc ça, c'est, euh, clair. Et il y a également, bien sûr, les, les gens qui vont réussir, euh, à rusher les de les, les pylônes euh, qui seront invités. Alors après ils viendront, ils ne viendront pas. En tout cas, il y aura euh, une invitation qui sera possible. L'idée c'est vraiment de faire une communication entre l'intérieur du jeu et l'extérieur du jeu, so news etc. les développeurs, machin. Et donc voilà. Sur ce, euh, on se retrouve euh, probablement... On se retrouve probablement. Euh Soit pour l'event PS4 de euh, la sortie, donc mardi, soit pour la fin de l'événement euh, des août, lundi. On n'a pas décidé, c'est en fonction d'actualité. Vous savez, on prévient tout le temps, pas vraiment à l'avance, les, les so news, hein, c'est toujours 24 48 heures. Je ne sais pas si on va s'améliorer. Mais en tout cas, euh, voilà, on se revoit, on se revoit dans euh, 3-4 jours, euh, à bientôt. Sur ce, ciao, ciao, bonne soirée. Ciao